Salut tout le monde, c'est Nuit et cette fois je fais une vidéo pour présenter ma chaîne, présenter ce que je fais. Je vais merci déjà à Capi, Capitaine Flamme. Non, pas Capitaine Flamme. Capitaine Flamme. Voilà qui nous permet avec la Capi Academy de faire des vidéos comme ça, on peut se faire connaître grâce à lui. C'est très gentil à lui. Ça permet aux youtubeurs peu connus de se faire connaître. Donc merci Kafi. Donc voilà, donc je vais commencer à présenter ma team. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais des vidéos. Voilà ma chaîne. Donc voilà, donc là j'ai une dizaine de vidéos. Je fais des vidéos pour surtout pour ma roublarde. Moi, je suis ma roublarde. Donc d'abord, je vais vous la présenter. Voilà, donc c'est elle. Donc je vais parler à sa place. Bonjour, moi c'est Nuit, je suis jolie, belle, intelligente et je cherche une relation sérieuse avec des mangeurs de blab. Bon voilà, c'était une phrase très très passionnante, merci Nuit. Merci, c'était très gentil à toi. Bon voilà, donc j'ai une team qui est très très jolie parce que les DD ils ont tous la même couleur. Bon bah voilà, j'ai un sacrieur qui s'appelle Songe, un sacrieur terre air soutien, la roublarde avec qui je fais la plupart des vidéos, qui est RO, je fais du PVP, je suis entre le grade 5 et 6, à chaque fois je retombe avec les niveaux 200 qui m'agressent. Sinon j'ai un mini, un Feka, vous pouvez voir dans mes autres vidéos, j'ai fait 3 boss de donjon je crois. Non, j'ai fait 2 boss de donjon, une présentation de ma team au début. Donc voilà, un ennemi feu, Feka feu, pareil, voilà. Feka feu, un Zobal, bon le Zobal il est un peu optimisé mais pas pour PVP, il y a un Gélan OPA PM et un Kraken OPA. Bon, je l'avais eu en vendant mon Dofus Turquoise, donc peut-être un Nanonobstant ça serait mieux, mais j'ai ça donc je le garde. En plus, il y a le 1 de portée qui est sympa pour Tortuga et tout. Bon. Et des tapes terre pour faire un gros coup de vie pirate. Sinon, j'ai les 2 mules. Eka, voilà. Donc, son stuff, là, il est prêt. Après, je prendrai le bâton du... Bâton... Bon, je me rappelle pas. Là, j'ai Gardion d'Anawa. Et il sera 1 sur 2 destin des K-Flip avec trèfle. Et où est le ça? Voilà, animation. Parce qu'elle fait de l'animation. Voilà, donc je suis en train de monter les personnages. Sinon, sur ma chaîne, je fais aussi des tutoriels Kama. Bon, j'en fais pas juste comme ça. J'en fais par exemple si j'ai quelque chose à faire. Si j'ai un bon tutoriel, je vais le faire. Mais si j'ai pas de choses intéressantes, j'en ferai pas. Bon, c'est logique. Je fais aussi de la forge magie. Je suis Jaio Mage niveau 100. Peut-être je ferai encore de la forge magie pour un Exopéa 2. Mon anneau coriandre qui... Voilà, voilà. Donc je compte peut-être l'exopéa, ça me permettrait d'être en tout 6 et de faire des massacres en PVP. J'ai aussi fait un petit solotage. Bon. Sinon voilà ma vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà, c'est des vidéos commentées, sauf le PVP, c'est je commente un peu le stuff. Et puis je fais du PVP. Voilà, donc c'est pas grand chose, c'est ma chaîne, elle est jolie, jolie, jolie. Et voilà, bon. Maintenant, je vais vous faire un petit... Ah oui, ça aussi, c'est ma page Facebook, pour ceux qui... Bah voilà, ma page Facebook, voilà. Sinon, bon, voilà ma chaîne. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai montré. Tululule. Bon voilà, bah là je vais vous faire un petit quoi. Donc j'enlève le zoom. Donc nuit, je remets la coiffe prospection. Et là je suis en train de farmer le quoi pour avoir plein de ressources pour pouvoir crafter des anneaux que je brise et qui me permettent de crafter, d'avoir des runes en les brisant. Bon, c'est assez rentable, ça va. Allez, let's go go. Ah oui, le panda, je l'ai pas trop présenté. Bon, c'est un panda soutien. Je vais lui mettre la plume clic, il sera en 6 et voilà. Bon.
Bon, là, je garde toujours la pierre de capture. Allez, let's go. Le quoi-quoi en lui-même, c'est un truc qui peut être géré par une team de... Pas de niveau 20, mais peut-être de niveau 30, voilà. Donc, le quoi-quoi, il a 75% de résistance, voilà, partout, sauf dans un truc au hasard. Là, c'est le terre, donc. Je dois rester collé à un allié en fin de tour. Et je dois jamais soigner, bon. Je peux soigner les autres, pas pendant leur tour. C'est pas trop compliqué à faire. Donc, celui-là, je vais le jouer R. Je vais le coller à moi. Et voilà, bon. Sinon, les autres, je vais les faire rapidement. Voilà, un petit... Je lui fais une explosion. Et bon, bon. Bon, je perds des points de vie, mais bon, c'est pas vraiment un problème. Puisqu'il m'enlève pratiquement rien. Après, je fais... comment il s'appelle? Oui, voilà, un sort, je vais vous le montrer sur l'Enirepsa. Pour ceux qui s'y connaissent pas en Enirepsa, à l'utruisme, vous faites à peu près en fin de combat et vous récupérez toute votre vie. Ou quand votre team a vraiment un problème. Bon, voilà, le panda, il est où? Voilà, donc... Ouais, on va rester là, donc je vais le prendre. Karcham. Et voilà, et je me mets là. Désolé si je bug un peu parce que j'ai mis une meilleure qualité pour vos beaux yeux. Et voilà. Je vais essayer de jouer assez rapidement. Bon, allez. Oh là là. En cure, je devrais finir mon tour ici. Et voilà. Bon. Sinon, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur ma chaîne? C'est une chaîne très jolie. Qui est très jolie. Bon, si vous voulez venir, bah. Venez, hein. C'est pas cher, il y a des réductions. Je fais des vidéos commentées, je peux faire du Coliseum. Je fais des vidéos commentées, je fais du Coliseum. C'est en fonction de mes abonnés, ce qu'ils veulent. Si vous voulez fumer, bah vous faites ce que vous voulez. Et si vous voulez pas, je vous oblige pas. Donc voilà. C'est un donjon qui se fait en moyenne en 20 minutes. Après, je refais la capture en 5 minutes. Et ça me permet d'avoir des runes. Et de faire quelques crafts. Oui, et je l'ai dit pour les anneaux. Voilà. Oh là là. Mes deux mules qui servent à rien pour l'instant. C'est vachement... Vachement chiant. Voilà, donc lui... Oh là là, qu'est-ce que je peux bien faire? Je pose une autre bombe ici. Et je donne. Et voilà. Sinon maintenant, avec Nuit et Son, j'ai changé de guild. Je suis allé dans Si Vi Pacem Parabellum. Ça veut dire si tu cherches la paix. Si tu cherches la paix, prépare-toi à la guerre. Ce qui est soit très très logique. Donc voilà, donc c'est pas trop compliqué. Même avec le panda, je tape beaucoup. Ce qui est très étonnant. Puisque mon panda, il ne fait rien. C'est un bon à rien. Donc là, je fais un petit assaut. Y a pas grand chose à dire sur ce donjon, c'est surtout un donjon pour se faire des kamas. Il y a l'XP, il est pas du tout rentable, donc voilà, c'est pas un XP rentable. C'est pas un endroit là où on vient pour XP, c'est si je ouais voilà, donc je viens, je fais ça et je me remets là. Sinon, pour ceux qui m'ont demandé quel logiciel j'utilise, bah j'utilise... Attendez, oh là là, je finis de taper ce quoi-quoi tout moche. Ouais, donc, avec ça, je passe.
Je passe. Je passe. Donc, ça, je peux. Un truc ici. Je reviens, je fais ça ici. Et voilà donc. Qu'est-ce que. Oh, il y a encore un Quaker vivant. Je le finirai avec ça. Oui, voilà le logiciel que j'utilise. Bon, il y a le Nayo. Voilà, qui permet de connecter les comptes. Je vais pas vous montrer mes identifiants, évidemment. Et il y a le Minini. Qui permet de changer avec une touche. Moi, j'ai choisi Alt et le truc bizarre, là. Pour changer de... Pour changer de... fenêtre. Ah non, on peut pas... Ouais, on peut pas triple schnapser. Bon, je lance la capture de toutes les façons. En moins de 4 tours, j'aurais fini le gros assaut. Et oui, voilà donc un coup terre. Un coup terre. Et voilà donc je passe. Vous voyez, je change rapidement les fenêtres. Je bug un petit peu, c'est pas grand chose. Je dois avoir 100 de ping. Et voilà, 4p à tout le monde, donc ça me permettra de finir. Bien. Dernier souffle. Et au revoir, monsieur le Quaqua. Oui, voilà, j'ai lancé capture. Donc voilà, je vous ai montré un Quaqua, je vais vous montrer les drops. Rololo, rololo. Et voilà, un maximum de drops. J'aurais pu poser un percepteur, mais c'est une guilde très puissante. J'ai gagné un verre de terre, je sais pas pourquoi. Donc, avec les plumes de Quaqua, on peut faire des Quaqualiens. Donc, ça fait des runes d'eau haut, d'eau feu, retrait PA, esquive PA. Donc voilà, au revoir et merci à Capi de pouvoir de m'avoir de nous laisser mettre des vidéos à nous pour nous présenter. Merci tout le monde et à de prochaines plops.